Alors, madame, vous-même, vous avez traversé des étapes extrêmement difficiles. Je ne voudrais même pas dire vraiment des moments extrêmement douloureux. Alors, quel est un peu le sens que vous donnez vous-même à la notion de réconciliation et même le pardon? Ben, vous savez, si on veut vivre dans la douleur qu'on a vécue, on ne s'en sortira jamais. Et donc, je vous donne un exemple. Quand j'étais moi-même encore en prison, je faisais mes prières parce que je priais beaucoup. Et je faisais mes prières et un jour, pendant que j'étais en train de prier, j'ai utilisé un texte de la Bible qui parlait de la nécessité pour un homme qui est au pouvoir de bien régner, d'être bien accepté, de faire le bien pour son peuple, etc. Et je me disais, mais voici un texte que j'aurais pu utiliser pour prier pour le président Gbagbo, et quand on était au pouvoir. Et puis, j'ai entendu dans mon esprit, utilise ce texte-là pour prier pour Alassane Ouattara. J'ai dit, comment ça? Pour prier pour Alassane Ouattara? Un homme qui est venu nous chasser du pouvoir avec ses acolytes. On ne peut pas prier pour lui. Et la voix a repris, prie pour Alassane Ouattara avec ce texte-là. Et à la fin, il y a eu tellement d'insistance de cette voix que je me suis mise à prier effectivement pour le président Alassane Ouattara. Et quand je l'ai fait, je vous assure, hein, non seulement moi-même j'ai été délivré de toute la rancœur, de toute la colère qu'il y avait en moi, mais j'ai été même guéri, mon âme a été guérie, j'ai retrouvé la joie. J'ai prié pendant une semaine, après cette semaine de prière, j'ai retrouvé la joie, j'ai retrouvé la santé morale, la santé de mon cœur. Celui qui dit qu'il veut faire de Gbagbo Laurent l'unique objet de nos revendications, dites-lui, répondez-lui, arrière de moi, Satan. Répondez-lui clairement, arrière de moi, Satan. Répétez avec moi, arrière de moi, Satan. Gbagbo, il est au centre de nos revendications. Il est au centre parce qu'il est la tête que nous représentons. Il est la tête qui symbolise notre vision. S'il n'est pas là, notre vision est tuée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il doit être là. Mais notre vision, ce n'est pas Gbagbo Laurent. On est d'accord? On est d'accord, hein? Notre vision là, c'est la Côte d'Ivoire nouvelle, c'est ça que nous. Et le jour où Dieu lui-même va décider que Gbagbo Laurent n'est plus là, est-ce que notre vision va mourir? Donc, est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Nous travaillons pour que notre vision de la